L'emblématique Matthew Perry alias Chan de leur bide en Friends est décédé à l'âge de 54 ans le 28 octobre, à son domicile de Los Angeles. D'après le Los Angeles Times, il a été retrouvé dans son jacuzzi par son assistant. L'acteur a joué dans la série à succès pendant plus de 10 ans et a marqué le cœur des fans. Alors que de multiples célébrités ont rendu hommage au comédien, le silence de ses anciens partenaires de tournage, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer et Jennifer Aniston, interroge. Selon The Mirror, les cinq acteurs, amis du comédien, préparaient en réalité un communiqué commun. Les comédiens seraient anéantis selon une source qui s'est confiée dans colonne de page 6. Les membres du casting sont sous le choc depuis la perte de leur frère, parce que si est-ce que Matty était pour eux, un frère. Si est-ce tout simplement dévastateur, a-t-elle révélé. Et de poursuivre, le casting entier était proche, ils seront dévastés, parce qu'ils étaient ensemble dans les meilleurs comme dans les pires moments. Et quand Matty était malade, ils l'ont te protégé et se sont beaucoup occupés de lui. Matthew Perry, tu vas manquer à notre monde. Ce 30 octobre, deux jours après sa disparition, l'une de ses partenaires à l'écran dans Friends a fait part de son immense tristesse sur la toile. Il s'agit de Maggie Wheeler, alias Janice. Quelle perte. Tu vas manquer à notre monde. Matthew Perry. La joie que tu apportais à tellement de monde le temps de ta courte vie sera éternelle. Je me sens béni par chaque moment créatif que nous avons partagé, a-t-elle écrit. Dans un communiqué, le studio Warner Bros. Television, producteur de la sitcom à succès des années 1990, a également rendu hommage au comédien, il était un véritable cadeau pour nous tous. Just me.